Bienvenue au Musée de l'Air et de l'Espace Paris Le Bourget. Welcome to the National Air and Space Museum of France. We are located in the suburb northeast of Paris. The museum expands over an area of 12.5 hectares with 11 galleries and an extensive outdoor airport runway where dozens of planes are parked. We are standing here in this magnificent hall, Salle des Huit Colonnes. This is the main entrance of the museum. It was also the main entrance of the terminal of the first airport of Paris, France, and most probably the first airport of Europe. In an Art Deco style, the terminal was put into use in 1937. This unique streamlined building measured 233 meters by 40 meters and stood 12 meters tall beneath the vaulted ceiling. Conceived by the architect Georges Labraud as an ocean liner, or an aerial port to be precise, inspiring travel and exotic destinations. It was used as a terminal of the airport until the 1970s, when the main traffic were transferred to Charles de Gaulle Airport and the Le Bourget Airport moved its business several kilometers away, and it was then the museum moved in. Over the decades, the National Air and Space Museum expanded on the site of the former airport with hangars and warehouses to host its various collections of aircraft, technical materials, fine art, and other types of collections. Between 2015 and 2019, the two permanent exhibitions, Pioneers and World War I, were closed for major renovations. It was an ambitious project to refurbish the Labraud Terminal building to its former glory and to accommodate the growing collection of the museum in the best conditions. The challenge of this renovation is related to the materials, the concrete, the glass. It's also related to the size of the collection, and most important is the message that we want to tell to the visitors about the pioneers of the aviation and the World War I. Ici, dans la Grande Galerie, nous retraçons l'histoire des pionniers depuis le premier envol de ballon en 1783 à Versailles. Cette histoire, c'est la quête de la troisième dimension depuis le désir le plus vieux de l'humanité, s'élever et s'envoler. Le public découvre des collections très précieuses d'aéroplanes ou la nacelle d'un premier aéronef dirigeable au monde construit en 1884. Nous évoquons l'impact de ces nouvelles technologies sur la société. Des gravures et des objets témoignent de l'incroyable engouement qui s'est développé autour des envols de ballons à la fin du XVIIIe siècle ou de la traversée de la Manche par Louis Blériot en 1909. Des affiches célèbrent les exploits des hommes et des femmes qui faisaient d'extraordinaires démonstrations en se produisant dans des spectacles. L'exposition est le reflet d'une très stimulante période d'émulation. La France attirait alors, aux côtés d'Henri Farman ou des frères voisins, les Américains Wilbur et Orwell Wright, le Roumain Trajan Vuia et le Brésilien Alberto Santos Dumont. C'était un univers qui était encore celui du rêve et de la passion, avant que l'avion soit utilisé de façon beaucoup plus utilitaire et tragique lors de la Première Guerre mondiale. Plongé dans cet univers aérospatial, vous vous interrogez sûrement. Comment vole un avion ? Qu'est-ce que la pesanteur ? Est-ce que la Lune, c'est si loin que ça ? Planète Pilote, notre espace ludo-éducatif, permet de répondre à ces questions. Et notre planétarium invite à découvrir les secrets de la voûte céleste et des constellations. Le musée propose une très riche programmation événementielle. Des expositions, bien sûr, Lego vers la Lune et au-delà, en ce moment, et à compter de juin 2022, Up to Space, actuellement présenté à Brême, et de nombreux événements. La Nuit européenne des musées, les Journées européennes du patrimoine, la Fête de la science, les Journées nationales de l'architecture, Ciné-Tarmac. Nous collaborons avec de nombreux acteurs institutionnels, les villes et acteurs du territoire, le département de Seine-Saint-Denis, la région Île-de-France et bien sûr l'Association des Amis du Musée. Le musée propose toujours plus d'air et plus d'espace. Bienvenue à bord !